Bonjour, frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison, qui rentre là avec nous. Moi, dis nous merci parce que nous avons suivi. Merci pour confiance, nous. Merci pour bouche à l'oreille nous fait pour moi. Et puis, moi, prends un petit temps pour me saluer tout étudiant qui a écouté, qui a étudié cuisine actuellement. Moi, demande nous courage et puis toujours persévérer. D'accord? Qu'on a là, je dis, on va faire un petit classique haïtien pour nous. Petit classique haïtien, m'a fait un petit genre actualisé. Ça veut dire, m'a voué nous ailleurs, ok? Moi, pour le faire, une tablette pour nous de noix. Généralement, lorsque nous faisons tablette, souvent, classique haïtienne, c'est avec sucre nous faisons et un peu d'eau. Là, moi-même, pour le faire, une tablette avec un sirop d'érable, ou même n'importe l'autre sirop, on est capable de faire aussi, et rhum babancourt. Pour moi faire, mes recettes-là, moi, j'ai 4 tasses de noix. Donc, moi-même, moi, pour noix sans sel, déjà grillée. Si vous voulez, on va prendre avec sel. Moi, mettez une tasse de rhum babancourt, une tasse bon rhum babancourt haïtien là. Et puis, moi, mettez deux tasses de sirop d'érable. Pour qui ça, moi-même, je fais avec sirop d'érable? C'est parce que je fais moi-même pour me manger tout. Hein? Parce que je ne vais tellement manger sucre. Ben, nous-mêmes qui aimons le sucre, nous faisons avec sirop d'érable là. Si tout le monde qui est au Canada, nous connaissons qui est le sirop d'érable là. Et puis, les mêmes qui avantage gain, les bons, en tout cas, ils disent les bons pour la santé. Ok? Qu'on a là, je vais mettre tout ça. Ouais, ça sent l'alcool. Qu'on a là, je vais mettre deux belles cuillères de gingembre. Bien haché. Je ne vais pas passer dans le gras. Je vais hacher. Je vais ajouter une petite cuillère de cannelle. Une petite cuillère de muscade. Et qu'on a là, je vais brasser les. Qu'on a tout de suite là, je vais mettre le bouillon là. Je vais mettre différents balis. Ça sent bon là. Très bon. On va mettre un peu le différent. Hein? Mettez le foum là à 7,5. Après ça, m'a venu me retirer. Un seul ingrédient à mettre. Nous allons voir qui l'aime le mettre. Ok? Quand on a commencé à faire un petit bouillon là. Pendant que je fais un petit bouillon, ça ne va pas le brasser tout le temps. Ok? M'a simplement, je vais venir me pousser un petit bagage sur le côté. Je vais quitter là comme ça. Après, on 10 minutes comme ça, la bouille tranquillement. Quand on a là, je vais mettre. On cuillère d'essence là-dedans pure, ou essence vanille. Ok? Là maintenant, ça vient sans gon l'autre odeur là. Hein? Là, je vais faire un petit brassel parce que pour ça, sous côté, on est capable de prendre dans le sirop à tout, pour tout à cuire ensemble. Ok? Quand on a là, il commence à diminuer. Moi-même, tout m'a diminué différents balles tout pour ne pas le bouler. Ok? Parce que j'ai besoin de sirop bien enveloppé. Quand on a diminué le volume, on met la 4. On a pour bien macérer avec sirop d'érable là, hein, pour ça veut dire là qu'on a m'a quitté le réduit. Ça veut dire pour venir faire élastique là. OK? Nous comme on la frémi comme ça, c'est parfait, OK? Là moi toujours quitter avec volume 4 là. On va pas augmenter encore parce qu'on a là me veut sirop commencer bien macérer dedans là, OK? Qu'on a là m'a quitté le fond en 20-25 minutes comme ça. Nous gardons là pour nous, ça fait 10 minutes là depuis que nous mettons là, nous avons dit nous avons quitté le bail là, regardez. Quand on a commencé, ouais, si on commence à faire gomme là, elle dit commence à faire gomme pour le coller là. Malgré ça, nous avons quitté toujours tranquillement pour lui continuer à cuire, ok? Regardez qui ça vient arriver là, quand on a noué, quand on a là, noir a commencé à coller dans la chaudière. Regardez ça, c'est vraiment commencé, l'on prend là, sous fait ça, là, le coller ensemble. Ok? Mais moi-même, je quitte toujours encore davantage pour que le capa contingent plus réduit encore. Qu'on a là pour mal joindre plus de cuisson, ça, qu'on a nous-mêmes, nous allons goûter, il faut nous garder pour nous commencer à contingent mou, pour ne pas trop sec. Qu'on n'a pas oublié de faire à 4, qu'on a mis la 3. Voilà. Qu'on a mis la 3, qu'on a quitté le frémi encore tranquillement. Après ça, va. Venez, moi, venir encore. Dernière intervention, moi, faire ma venir. Ma femme, et puis qu'on a pour nous continuer. Nous, on dit. Qu'on a la main là. C'est prêt là. Ok? Qu'on a un bagage, moi, dit nous. Ok? Lorsque nous avons fait, nous avons quitté nos tiges, aller plus sec encore parce que nous connaissons rhum là, fin bien, bien cuit. Ça, c'est si toutefois vraiment un goût rhum là. Ok? Non, lorsque il fin vraiment, vraiment tant que là. Arrive un moment donné, sous quitter l'allée, ou après, si ou a commencé à faire sucre encore.
Si vous voulez commencer à faire sucre, si vous voulez quitter le rivet dans le point pour le faire sucre là, et puis qu'on a tout de suite mettre demi tasse de rhum pour réassaisonner, réactiver le rhum là encore. Et à ce moment-là, qu'on a là tout de suite brasser après 3 minutes et pour fermer. Ok? Qu'on a là moi-même, là, je fini là. Ok? C'est prêt là. Qu'on a là, je vais le coucher. Qu'on a même fini avec le planchement là. Mon papier sulfurisé, je mettais là. Mais nous-mêmes, nous allons prendre n'importe quel papier là. Ok? Je vais tout mettre sous le planchement. Je ne vais pas mettre sous le planchement directement. Qu'on a qui ça, je vais le faire là, je vais le coucher. Qu'on a c'est vous-même qui parle qu'on est qui grosse tablette ou besoin hein? Avec pas qui grosse au besoin. Ok? Mais si tablette là me fait là, je vais faire un pile. Ok? Qu'on a là, je fais une couche, je vais quitter le refroidi pour me présenter. Non? Qu'on a un bagage, je vais le dire. Si toutefois nous-mêmes nous faisons un pile. Ok? Nous supposons quitter 10 feux, nous quitter sous 10 feux pour nous prendre, pour nous coucher. Parce que si nous faisons un pile, distance que pour nous venir bagaille, qu'on a sucre là, ou bien si on a venir coller, qu'on a là, il n'est pas bon là. Parce que la frais, vous comprenez? Il faut nous faire de façon à ce que pour nous, pendant sous 10 feux, pour nous prendre et puis coucher petit tablette nous bien belle, ok? Après ça, on va le retirer, décoller pour nous. Qu'on a là, après yon 15 minutes comme ça, depuis le coucher, qu'on a assez prêt là. Hey, baba nous menti, moi goûter c'est l'enfer comment c'est bon. On a là pour me retirer. Puisqu'elle était dans son papier déjà, moi juste fait ça, moi prendre et voilà. Waouh, c'est beau hein. L'un des petits mon ça me connait bon petite tablette nous hein, mais avec un sirop fait moi-même. Et voilà. C'est un peu chaud encore. Waouh, waouh, waouh. Me déposer là. On a parce que sirop. Allez-y, c'est parfait. C'est excellent, c'est succès sur toute la ligne. Regarde-moi ça. Meni là, moi goûter déjà, c'est vraiment vraiment bon. Meni. Un bon tablette ferme, un classique de tout haïtien. Avec sirop d'érable et rhum. Il goûte très très bon. C'était JFL Cuisine Créole Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui était entré là avec nous. Merci. Au revoir.